Bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous sommes dans le jeu Star Citizen, donc par Chris Roberts, le créateur de notamment de la série des Wing Commander et Privateer. Donc, en fait, je vais pas vous faire spécialement le tour d'horizon du hangar. C'est juste pour vous montrer un vaisseau que j'ai obtenu. Alors, vous le montrer l'extérieur parce que c'est vrai que le temps, pour l'instant, je me suis pas spécialement investi dans l'acquisition comme à l'époque des Wing Commander, de connaître toutes les touches du clavier pour pouvoir parfaitement naviguer. Mais voilà, je tenais à vous montrer ce vaisseau qui, pour tous les gens qui ont pu faire l'acquisition d'une carte type R9, ont pu notamment récupérer ce vaisseau s'ils en ont fait le choix, au même titre que enfin normalement c'est un bundle de trois jeux à choisir pour lesquels vous recevez des clés. Donc on va le tester parce qu'en fait on ne peut pas du tout rentrer dedans, ce qui est très très bizarre. Je pensais qu'on pourrait y faire un saut, mais ce n'a pas été le cas. Donc nous allons aller directement dans l'Arena Commander. Alors oui, alors donc ce vaisseau, voilà, on pouvait le choisir dans un pack de trois jeux. Bon, les listes étaient assez longues, mais si vous aviez fait le choix, vous obtenez donc ce magnifique engin. Bon, j'ai déjà eu l'occasion un petit peu de le tester. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est bon? Oui. Et on va essayer de voir ensemble un peu comment il tourne. Mais bon, je pense que ça va être un petit peu chaotique, malgré tout. Puisque là je vais utiliser le contrôle pad pour pas trop me prendre la tête en fait. Bon, une chose est sûre, c'est que tout doucement Star Citizen évolue. Bon, calmement. Les choses un petit peu fatigantes, ce sont les temps de chargement. Alors je ne sais pas ce qui sera fait par la suite par les développeurs, mais bon, ils ont intérêt un petit peu à optimiser tout ça, à pas faire également comme ça a été le cas sur une précédente vidéo que j'avais testée pour Dragon Quest Inquisition, qui se démarque par rapport au, quand même aux autres logiciels de même qualité, par des temps de chargement qui sont un petit peu longs et c'est un petit peu rédhibitoire pour la qualité générale. C'est fatigant de se retrouver comme à l'époque, c'est-à-dire en train d'attendre patiemment de très longs moments que ça veuille bien se charger. Donc nous y voilà. De voir un petit peu ce que ça donne. Alors ça c'est un petit vaisseau cargo, d'ailleurs c'est celui que j'avais acheté la dernière fois. Je sais pas du tout. Oui.
Là, ça rame un peu. Oui, j'ai vu. Cette fois-ci, nous sommes. Contre de l'humain. Ok. Ça va être très compliqué. C'était très bête. Suis allé un petit peu vite. Alors le truc c'est que je ne sais pas du tout comment, parce que je sais pas si j'ai, je pense pas avoir de cas. Donc là c'est pas très très intéressant, je dois avouer, déjà parce que 1, je n'ai pas du tout idée. Il est là. Donc les vaisseaux ont tendance légèrement, j'ai l'impression, à glisser en fait. Sur eux-mêmes. Ce qui est bizarre. Donc là, je l'ai un peu abîmé, mais je sais pas à quel niveau. Waouh. Allez, on va se rétablir un peu. Ouais, je sais. Ah, ça sonne. Alors je sais qu'on peut tourner sur soi-même, je ne sais plus. Et là je fais une éjection.
qu'on voyait un petit peu le fonctionnement. Bon, c'est pas très. Je sais pas du tout comment. Apparemment, c'est celui-là. Mais là, il est derrière. Allez. Se rétablir parce que là je sais même plus du tout où se trouve. J'avais vu. Allez. Vous pouvez voir, c'est pas du tout évident. Je sais plus après. Non, ça c'est pour bouger. Peut-être ça. Non, c'est pas ça non plus. Ouais, c'est pas évident du tout. Hein. On continue.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, j'avoue que c'est un peu le grand n'importe quoi. Mais bon, voilà. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail au niveau de la de l'équilibrage et mais bon, sûrement que ça deviendra plus intéressant dans les mois à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite tout le bon.